Bonjour à tous et à tous ici Oxydor et on se retrouve avec MR sur Terraria, sur Nooptaria, on est sur la route pour aller sur la route de quoi en fait? On va sur la route pour la sainte journée. J'ai été sur la route toute... Waouh. Attends, moi j'y arrive pas. Ah bon. Si, j'ai eu de la chance. On est toujours tout droit, je te rejoins. Ah, okay. Alors, en fait, on va sur la route, sur un deuxième, enfin sur un biome de Terraria qui s'appelle Corruption. Ouais, et moi, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave. En tout cas, je suis désolé si vous entendez un petit bruit derrière, c'est dehors, ils font des travaux, je sais pas pourquoi. Et si on faisait un kiff? Enfin, on fait des travaux, viens, on fait son banc, on bosse. Bah, c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de bosser. Mais non, mais je parle des gens qui sont dehors. Ah, moi bien. C'est pas ce que j'ai dit. Tantôt, je vais vous faire une annonce. Ah, c'est ça, non? Je crois qu'on y arrive bientôt, ouais. Oh putain, ma voilà, c'est ça. Et là, quand tu me parlais d'un petit ver géant là, qui t'attaque, tu vas voir ce que c'est que le putain de ver géant qui t'attaque. Ah, flux, j'ai pas de torche. Crève-toi. Ouais, j'ai des torches. Alors, on va aller ici, je sais pas si ce sera là. Alors le bouclier, non, c'est pas bon, on t'en plus grave. Alors en fait, on va rentrer dans les petits tunnels comme ça. Il faut remonter. Ouais, on remonte. On va rentrer dans les petits tunnels comme ça. Oh, les et skis. En fait, on va chercher une sphère qui se trouve en bas. Donc je te laisse aller voir. Aïe, aïe, aïe. Elle est grande celle-là. Je te laisse aller voir, tu me dis si c'est bon. Ouais, attends, le truc il est super grand. Oh, oh yeah. T'as trouvé quelque chose? Bah tu peux descendre, mais tu fais super gaffe parce qu'il y a pas d'eau en bas. Ok, bah hop. Je le fais à la mode... Par contre il fait noir. Ouais, ouais, t'inquiète. Désolé plus viewer, moi j'ai pas de torche, c'est MR qui les a, les torches. Ouais, je suis en train de torcher un peu quoi. Donc je sais même pas où ce que je clique en fait. Tu cliques sur les côtés du truc. Bah ouais, mais il fait noir. Bah tu cliques. Ah, je crois que j'arrive. Ah bah tiens, il y a un cœur. Ah ben je le veux bien. Quand tu veux. Ah. Allez, t'es bientôt arrivé. Ouais. Oh putain. J'ai glissé. Bon. On va attendre que tu reviennes. Ouais, donc je vais couper la vidéo le temps que ça revienne parce que sinon pour les viewers ça va être long. Mm. Donc on se retrouve tout de suite. Voilà, donc nous revoilà, donc on est plus dans le truc parce qu'en fait une nouvelle PNJ vient d'arriver. C'est juste... la Dryade. Et elle sert à Celia. En fait, elle a un shop. Et en fait, tu peux lui acheter. Alors, l'objet le plus utile là-dedans, c'est The Pure Caffin Powder, que je viens d'acheter d'ailleurs. Donc, on verra ça. Bon, on va voir ça vite fait. À quoi ça sert. Ouais. Et en fait, la Dryade, elle arrive quand on bat un boss, quand on fait quelque chose d'extraordinaire. Donc, généralement, c'est quand on bat un boss. Ouais. Là, on a battu 3 boss. Donc, 3 Eye of the Loop. Ouais. Et donc elle va venir ouais elle est là. Et donc elle apparaît comme ça. Ah voilà. Pas mal, d'accord. Donc on peut se diriger maintenant vers le truc ouais. Magique. Vers le pays imaginaire avec des monstres un peu partout et on va réussir pour rêver et c'est pas grave. Yaaaaaah, t'es chez Sparta. Ah fût. Mais je voulais essayer aussi, ça m'a parché. C'est vrai que moi j'essaye, je l'utilise pas, tu vois. Pas l'habitude des grappes, j'ai pas l'habitude des grappins en fait sur les jeux. Le grappin. Il nous veut du bien. Il t'a choisi. Wouhou. Dégage toi. Bah tiens. Ah bah tiens. Il y en a toujours un qui se cape là et creuse dans notre vidéo. Hein. Rébellion. Rébellion. Private joke encore une fois. Ah peut-être qu'on arrive les private jokes. Hein? Sinon, ouais, peut-être qu'on arrête les private jokes. Ouais. Si on va se faire haïr. Si ils vont pas comprendre. Alors, faut aller dans le deuxième trou. Oh oh, la nuit est en train de tomber. Non, c'est juste qu'en fait on change de biome. Ah! Et j'ai. Oh putain, t'as plus 49 potions. 49 de vie. Ouais, je me suis cassé la gueule. Putain! Il fait noir. Merci. Coucou. Oui. Putain. Je gère pas le grappin.
En fait, tu vises avec ton curseur, hein, c'est tout. Ouais, je sais, mais c'est ce que je fais, mais je vise mal avec le curseur. Alors, tu feras gaffe, parce que j'ai pas envie que tu te suicides. Ah, attends, vas-y. Oh, mazette. Gang bang. Alors là, tu descends exactement pareil, voilà, tu prends ton temps, certes, mais tu descends. T'appuies sur mage en même temps. Ouais. Mage pour. Non, mais il faudra peut-être que tu descendes aussi. Ouais. Je vais lancer des trucs. Non, mais appuie sur mage simplement. Pourquoi? Appuie sur mage. Tu vois, tu portes une torche. Ah ouais. Quand tu veux faire pareil, tu peux utiliser le grimpant tout en appuyant sur mage. Hein. Moi ça marche pas. Si si. Il me les lance moi quand j'appuie sur mage. Ah bah je suis. Crève. Ah tu le toucheras pas. Putain mais y'en a combien? Là tu peux te lâcher. Enfin, là voilà, là tu peux te lâcher. Et donc voilà, on est ici. Attends, faut les buter. Faut les buter, et donc voilà. Alors normalement, si tu essayes de casser les blocs qui sont en dessous de nous, incassable, tu n'y arriveras pas. Ouais. Si tu veux tester, mais bon. Moi je n'y arrive pas en tout cas. Ouais, je vais pas essayer non plus, si tu arrives pas, j'y arriverai pas je pense. Hein. Oui. Même avec une or. Ah par contre ça je pense que ça je peux ramasser ça. Ah, démonite. Ouais, ah bah tu peux ramasser avec l'or, ça je ne savais pas. Ouais. Alors donc voilà, alors en fait tu sais j'ai acheté la purification powder à la dryade. Ouais. Et en fait la purification powder ça permet de transformer ce bloc là, le bloc de démonite, qui est une bloc souillé en gros. Ouais. Et démoniaque, une roque démoniaque, et en fait la purification powder ça la transforme en pierre. Oh magique. Allez je te défends moi en attendant. Voilà, alors il y a cette technique là pour aller en bas, mais aussi la technique. Alors attends, creuse pas. Il y a la technique de courir très vite. Et là, une fois, ah oui d'accord. Et voilà. Il y a cette technique là. Et là vous ramassez les blocs de bone stone. Carrément. Carrément. Ouais. Et ils servent à quelque chose ces blocs là ou ils sont faire de la déco, faire plein de trucs, ça. Ah, d'accord. Faire... Et le truc mauve là en dessous c'est ce que je pense c'est du truc shadow. Alors non. Ah. Pas de la enfin. Non, j'ai oublié son nom par contre, c'est vrai que c'est un peu con. Mais c'est pas de la shadow. Ah. Je te montrerai ce que c'est si je crève pas. Ah putain, il veut pas creuser là où il veut. Hein. Voilà. En fait, en cassant ça. Ouais. Ah, donc j'ai oublié le nom avec le marteau. Je le casse ou Oh, tu peux le casser, vas-y. Et voilà. The horrible chill goes down your spine. En gros, d'horribles choses vont arriver. Et tu verras, normalement, t'as ramassé un mousquet. Ah ouais. Mousquet. En fait, ça va permettre de looter le mousquet. Et en même temps de faire appeler la chose qui va nous permettre d'avoir le Shadow Squirrel. Ah putain. Et là, j'ai peur qu'on soit pas de taille. Pourquoi j'ai l'impression qu'on va tous crever? Parce qu'on va risque de tous crever. Donc, c'est pour ça que les potions, je te conseille de bien les utiliser. Oh. Donc voilà, allez, je vais creuser avec le... Normalement, il faut en casser deux ou trois pour faire appeler la chose. Ouais. Moi je vais aller voir, ouais moi aussi là j'ai peur. C'est dit comme ça, j'ai peur. C'est quoi ce machin là-bas? Alors je vais casser celle-là, tiens, il me reste. Ah non, c'est juste des coppers quoi. Tu veux que je récolte de la démonite en attendant? Ah non. Ah, il y a un cœur là si tu veux. Ah, je veux bien. Hop, j'arrive. Alors, voilà. T-Sismic arrive. Ah,
Alors je te conseille de ranger ton... miroir. Alors je te conseille aussi de remonter tout en haut. Attends, parce que j'arrive pas à utiliser le cristal de vie. Voilà. Ah putain, on a un verre qui arrive. Connard. Allez. Oui, c'est bien. Tu peux y arriver. Ouais. Non, je te conseille. Regarde, tu vises avec ta souris en fait le truc. Ouais, c'est ce que je fais. Vise pas le bloc au premier bloc, vise les autres blocs. Les autres blocs au-dessus. Voilà. Yahoo. Ah, pue. Eh bien. Hop. Voilà, alors j'ai cassé ça. Ouais, vas-y. Oh putain, ça l'a pas mis dans le filet. Tu veux peut-être que je pose, j'ai de la dynamite ça, sur moi, tu sais. Je sais, mais la dynamite, ça fait trop gros trucs. Ça fait trop gros dégâts. Je te laisse le ramasser, je suppose. Ouais. Et avec le musquet, il faut des munitions, je suppose. Ouais, ouais, mais je crois qu'ils t'en ont donné en même temps. Oula, The Scream Around... Ah, ça, je sais pas ce que ça veut dire. Un cri horrible. Un cri horrible se fait l'écho autour de vous. Donc on entend un cri, quoi. Voilà. Donc le troisième, c'est l'horreur. Et on a besoin du troisième. Alors j'ai ramassé un musquet, moi aussi. Alors il... Ah non, oui, moi j'ai ramassé le Ball of Earth. Le quoi? Ball of Earth. Ça, ça va nous permettre de le tuer. Ça sera pratique, ça sera beaucoup. Moi je regarde parce que j'ai vu que j'avais un mousquet. Ah, si j'ai Rotten Chunk, ça c'est ce que t'avais cassé, je crois. Yes! Il s'est fait one shot. Ouais! Alors je vais casser le troisième, ça se trouve il va arriver. Il va arriver. J'utilise mon truc pour rentrer à la maison? Non, 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 non. On va se battre ici, mon gars. The Eater World arrive. Ah, c'est lui! C'est ça? Ouais. Ouais. Merde! Ah, ils ont diminué. Fais gaffe! What the fuck? T'as lancé des grenades? J'y vais pas exprès! Ah si, oui! Lui, il faut lui casser sa tête, faut lui défoncer sa tête. Ah tiens, une météorite est arrivée, tiens, que je te disais que ça allait aller beaucoup plus vite. Il se divise, alors faut faire gaffe. What? Aïe, 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 je prends cher. Faut remonter vite, vite, viens. Vite, faut remonter, et faut remonter. Bah j'aimerais bien! Aide-moi pas, c'est fou. Bah, je suis en train d'attaquer, hein. Ah, putain, je prends trop cher. Vite, 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 faut le casser, faut le casser. Faut remonter aussi, vite, essaye de remonter. Bah, j'aimerais bien. N'oublie pas tes potions. Ah. Ouais, on défonce sa race. Je vais crever. Ah, je suis crevé, je suis mort. Gère, mon gars, gère. Je peux le faire. J'essaye. Ouais, tu le gères. Ah, bonsaï. Oh bah tiens, il y a des étoiles partout. Je crois qu'il reste plus qu'une partie de lui. Vas-y, tu peux le faire. Non, non, il reste plein de parties de lui en fait. Ouais, après il reste plein de parties de lui, mais on va tellement amocher que ça va prendre du... ça va aller vite. Alors je vais essayer de te rejoindre. Ramasser des étoiles. Mais putain, je peux plus utiliser de potion. Ouais, le cooldown. Voilà. Ouais, tu l'as eu. Yes. Okay. Oh putain! Bah donc maintenant tu peux utiliser ton miroir. Ouais mais attends, il y a des trucs rouges là, c'est quoi? Ah bah tu ramasses tout hein. Ouais mais en fait ils sont sous la terre, ils sont dans la terre en fait. Ah merde, ça c'est... Tu veux que j'utilise des grenades pour y aller? J'ai de la dynamite hein. Ouais. Hop. Alors je suis désolé si vous voyez rien sur mes vidéos, en tout cas parce que moi j'ai vu que YouTube diminuait grave la luminosité. Voilà, j'arrive à la maison. Ah bah ok. Donc j'ai un Will Mushroom. Ouais, alors t'as un... Oui, Will Mushroom, moi aussi j'en ai un. Normalement tu as récupéré ce qu'on appelle le Shadow Scroll. Moi, j'en ai 7. J'en ai 34. Ah bah cool. J'en ai 7, j'ai récupéré de la Demonite Or. Les bonus... Bah, j'ai 90 Demonite Or. Ah, oh, GG. Ouh, ce fut chaud. Ouais. Ce fut un combat rude. Ce fut un combat rude tout ce que j'ai géré. Grave, on peut le dire. Pour une fois. Alors moi j'ai ramassé un truc qui s'appelle The Orb of Light. L'arbre de la lumière. L'orbe de la lumière. Voilà, et en fait tu vois t'as un truc qui me suit qui fait de la lumière. Ah ouais. Alors, avant, il y a très très longtemps, il éclairait super bien, il éclairait comme une torche, en gros. Ouais.
Là, ils ont diminué grave la luminosité, en gros, il sert plus à rien. Et t'as un autre truc, mais ça, on peut l'avoir que vraiment quand plus tard. Dis, est-ce que tu aurais 2 étoiles? Ah ben justement, j'en ai vraiment 2 piles. Ah bah tu peux me les filer, s'il te plaît. Tiens, cadeau. Merci. Ah! T'as pas vu ce que t'as lancé, espèce de fou? Si. Attends, je vais voir où est-ce qu'elle est. Ah, c'est bon, elle est atterrie dans l'eau. Je kiffe ce machin. Ouais, c'est super kiffant. Alors, moi, je vais crafter 1 étoile de mana. The mana crystal. Ouais. Tu veux que je fasse une troisième salle? Enfin, pour les PNJ? Oui, vas-y, moi, pour l'instant, je vais m'occuper de ranger un peu les coffres. Ouais, tu veux que je te donne les trucs que j'ai drop? Ouais, vas-y. Donc, la démonite or, le shadow matériel, la rotten, les bone stones, le vil mushroom, l'Eoli... Ah, non, ça, c'est les, je les garde, les arrows. J'ai une tombe. Moi aussi, j'en ai 3. Stone block, je vais te les donner aussi, comme ça au moins tu seras les ranger. Ah, j'ai entendu une... Une étoile. Une étoile. Ça, je vais regarder. On ne doit pas être loin si on l'a entendu aussi fort. Bah voilà, ça va être bon. Je prends les potions, n'oublie jamais tes potions. Hein. Ouais. C'est super utile. Bah, elle est là, l'étoile, je vais aller la prendre. Ah bah ok, vas-y. Alors moi, c'est quoi? Alors c'est le Ball of Earth, elle me fait 15 de dégâts et plus 4% critical, de critique. Et very slow speed. Vraiment très... Ah, l'armée des gobelins arrive. Fait chier. C'est quoi ce machin? L'armée des gobelins. Alors, je sais pas, elle arrive par l'est apparemment. Non, c'est une SOS. Alors, elle arrive à gauche. Et c'est une armée, en fait, faut la défoncer. Et normalement, après, t'as... Pareil, t'as un PNJ. C'est un truc qui permet aussi d'avoir le truc. Alors, en fait... Attends. On va faire un fort. Tu veux que je vienne t'aider? Ouais, faut que tu viennes toi aussi, parce que là, on va être surchargé, mais à mort. Merde, j'ai plus de blocs de stone. Merde, j'ai lâché ma pioche, tant pis, grave. J'ai plus de blocs de stone, mais j'ai des blocs de dirt. Bah vas-y, fais-nous une petite baraque. Une petite baraque. Petite baraque, moi. Non, ouais, c'est bon, c'est tout, c'est pas, trop, pas plus loin. J'espère bien qu'elle arrive par là, hein. Alors elle prend du temps pour arriver parce qu'elle est assez loin. Enfin le spawn. Ah voilà. Approaching from east. Alors l'est, nord, sud, est. Ah merde, je me suis trompé, c'est de l'autre côté. Putain. D'abord tout. Google, tribord, tout. Ah ouais, elles arrivent. Elles sont sur la plateforme de quoi? J'arrive. Et ils font quoi s'ils arrivent à la maison? Il la détruite? Bah ils peuvent tuer les PNJ. PNJ, ils vivent donc. Ouais mais bon, c'est chiant, ça les prend de temps. Je vais aller protéger en dessous, moi. Vas-y, moi je m'occupe de dessus. Alors tu verras, t'as un magicien. Ah bah tiens, t'as parlé de magicien. Alors les sorts, tu peux les casser. Aïe. Tu peux les casser en faisant un coup d'épée de dehors. Ouais. Oh putain, elle est blinde. Et y en a qui rentrent. Et y en a qui arrivent de l'autre côté. Ouais, ils arrivent de tous les côtés, t'inquiète. Alors tu fais gaffe, les sorts, ils traversent les blocs. Ouais, c'est ce que je suis en train de voir. Ah, connard de chier. Voilà. Ah, oh, ben dis donc, on aura fait des trucs en une seule vidéo là. Ouais. Un gros boss, maintenant une armée de gobelins. Vous avez votre compte là, niveau des événements, les amis. On aura 2 vidéos bien chargées. Ouais. Bah, je t'avais dit que ça allait. Dès qu'on allait avoir ça, ça allait bouger. Et en plus, une météorite est tombée. Ah. Et tu verras la météorite. Alors la météorite, ce qu'il faudrait, c'est creuser, avoir un objet qui permet en fait de marcher dessus. Parce que en fait la météorite, quand elle tombe, elle est encore chaude. Et tu te prends des dégâts de quand tu marches dedans. Donc voilà, il faudra juste qu'on crafte l'objet, c'est assez facile à crafter. Enfin mes souvenirs en tout cas. Putain de magicien, ils vont me tuer. Ils t'ont tué? Non, ils vont me tuer. Ah, voilà. J'ai récupéré potions, ma vie. Ouais, je viens de récupérer ma vie. Wow, ils sont tous rentrés dans la maison là. I'm coming. Enfin, ils sont tous en bas. Va, s'ils sont tous en bas, ça va. Ils peuvent pas faire de dégâts de zone, donc... Enfin, dégâts de zone, ils peuvent pas abîmer le terrain. Je vais me récupérer. Voilà. Faut que je récupère ma vie, moi.
Attends, on m'appelle. Ouais. C'est toi qui commence. Bonjour à tous et à tous, ici Oxydor. On se retrouve de nouveau sur Terraria pour l'épisode numéro... 5, si je me trompe pas. Ou 6, ça dépendra de qui on est. Ouais, parce que moi j'ai fait un peu un truc pour que ça soit un peu moins gros. Donc on se retrouve dans la maison après avoir battu The Boss et après l'attaque des gobelins parce que j'ai dû me barrer comme un lâche. Ouais, ça, quoi. Il a réussi à survivre. À survivre, tout est relatif parce que comme vous voyez le nombre de tombes, il est mort. Ouais, la plupart c'est les tiennes. Emmer, voire... soit a été tué par Oxydor. Emmer a été mort. Là, il n'y a pas de nom. Là, il n'y a pas de nom. Bah, je suis un peu dégoûté parce que j'ai perdu mon épée. Sérieux? Ouais, j'ai jeté sans faire exprès. Sale gosse. Donc, il y a un truc... Bon, c'est pas trop grave pour moi encore pour l'instant. Donc, alors... Alors, on peut, avec tout ce qu'on a récolté en démonnaie de barre et en Shadow Skull, on peut se faire une pioche et le stuff entier de Shadow... De Shadow. Le stuff entier de Shadow. Alors, on peut faire les deux. Donc, par contre, après, on n'aura plus rien. Donc, toi, tu serais partant pour quoi ? Parce qu'il faudrait plus avoir la pioche et la pioche va beaucoup plus nous aider que... va beaucoup plus nous aider dans l'aventure, en tout cas. Bah si plus utile est la pioche, autant prendre la pioche hein. Ouais, autant prendre la pioche. Allez, je me suis fait une pioche. Je me suis fait la pioche. Ah, attaque de pioche. Je vais reposer le démon de machin. Et on va aller chercher. Oh, il n'y aura pas un seul épisode sans ça. Quoi? sans Vic qui nous appelle. Moi il m'a pas appelé le pas. Moi, ouais, il m'appelle en premier moi. Donc je vais éliminer un peu. Bah tiens, alors voilà. On va éliminer un peu d'obsidienne. Enfin, je vais éliminer. Je crois que tu peux en récupérer avec ta pioche en or. Avec la pioche en or, je sais avoir, c'est de la débonite, moi. Mais je crois que tu peux aussi avoir le... Alors là, d'ailleurs, je crois que tu peux aussi... Vous voyez, donc en fait... J'arrive même plus à parler. Alors, la nectaire, que j'explique, la nectaire pixel pour tes viewers. Mm-hmm. Elle fait 9 de dégâts. 4% de critique de... chance de critique, pardon. Elle est very fast rapide, donc elle est très très rapide. Very fast rapide. C'est ce qui... non, very fast speed. Là, on avait fait remarquer very fast speed, pas very fast pas rapide. Brut. Donc, very weak now. Et elle a 65% pickaxe power able to mine a hellstone. Ouais, mais ça, tu dois pas savoir ce que c'est. Pourquoi? Parce que... C'est de la stone de l'enfer, de toute façon, c'est de la pierre d'enfer. Sourire d'enfer. J'adore quand il nie ma question. Il m'envoie encore le même message, un graphisme parfait, jeu parfait. À croire qu'il aime bien dire ça. Ouais. Ah, il y a du bugué. Possible. Je lui ai pas répondu d'ailleurs. J'ai oublié de lui répondre. Coucou, enfin, j'arrive, coucou. Coucou. Ah merde, j'ai pas de torse. Ah ouais, merde, moi non plus. J'ai pas cette torche qui va dans l'eau en même temps. Maintenant j'ai 7 torches. Ça va pas me servir à grand chose je pense pendant ça. Ouh l'affût. Quoi? Ouh l'affût. Qu'est-ce que t'as encore fait? Je vais prendre des torches. Et ma hache. Je préfère même pas savoir ce qu'il a fait. J'ai oublié ma hache et je vais prendre des torches en même temps. Ouais, moi, ouais. Je suis dans la merde. Je vais me noyer. Fais ton cristal de machin, voilà. Moi, je vais peut-être aller chercher, peut-être dans une autre mine, on sait jamais, hein. Enfin, s'il y en a une autre. Non, généralement, on n'a qu'une. Enfin, il y a plusieurs entrées, mais il y en a grosse, il y en a qu'une. Ah. Ouais. Généralement, c'est comme ça. Mais c'est une grosse mine, toi, dans l'englobe, tout le... Tout. Elle englobe tout le monde. Bon, Spider-Man. Merde. Quoi? J'arrive encore à me foirer. Lol. C'est moi qui passe devant, nanané. Parce que moi je suis rapide comme l'éclair avec mes oreilles de chat. Enfin, mes oreilles de chat. Il est étrange mon chat, mais c'est pas grave. Un chat... aux halogènes.
Je suis The Chat Bionic. The Shackle. Bionic Shackle. What about ce tombeau sera votre tombeau. Oui. Tu l'as pas vu ce film ou quoi? Nope. T'as pas vu Astérix Opération Cléopâtre, Astérix Obélix, Opération Cléopâtre? Oh si, ah ouais, si, si. C'était le meilleur. Apparemment, enfin, d'après ce que j'ai entendu, le créateur d'Astérix, il a pas aimé. Ça représentait pas assez son univers. Mais c'était le meilleur. Les autres, ils sont pourris, mais ça, c'était vraiment le meilleur. Il était bien marrant, quoi. Ah ouais. Ça, je me rappelle. Le tombeau sera votre tombeau. C'est vous, Astérix Obélix? C'est qui fait vraiment des froid. Des chacals. Des chacals ou des chacos? Des chacals, je crois. Ouais, mais non, mais dans le film. Oh. Pourquoi il y a une torche qui vient de s'éteindre? On sait rien. Ok. Putain, ma touche espace, j'ai l'impression qu'elle bug en fait là. J'ai la vague impression que ma touche bug. Ah, par là on n'a pas été apparemment, je vais aller voir par là moi. Tiens, casse-toi connard. Pendant que toi tu vas vers le bas, moi je vais voir par là. Parce que ouais, ça a pas l'air d'être... Ah bah tiens. Quoi les cons. Très bon youtubeur qui a fait pareil, qui a fait un très bon let's play sur Terraria. Ah bon? Désolé, je suis jamais trop intéressé au youtubeur qui faisait du Terraria, donc Ouais, je sais pas récemment. Putain, j'ai crevé. Nope. Mais non. Ah, ici ça descend, ici ça remonte. Putain, il y a plein d'eau, c'est magnifique. Ouais, l'eau c'est l'horreur. Dans les grottes, c'est l'horreur l'eau. Là, on n'a pas eu de chance, on est tombé dans une grotte avec beaucoup d'eau. J'ai remarqué ça. Je vais essayer de me faire comme tu m'avais appris un coin d'air. Voilà. Une pelle d'air. Une appel d'air, une pelle. Oui, je sais, mais j'ai ça exprès. Lol. Hop, on reprend sur l'oxygène. Cette personne essaye de faire de l'humour. Essayez. Moi, je sais pas ce que ça veut dire. Essayez. Voilà. Essaye et tu verras. Voilà, là comme ça, j'ai bloqué l'entrée d'eau. Au moins comme ça, si je tombe dans une grotte, l'eau ne peut pas prendre trop de place. C'est ce qu'on oublie à chaque fois de faire dans les épisodes. Quoi donc? C'est de dire pourquoi les trois premiers épisodes sont buggés. Ah ouais, ils sont buggés par cause de nous. Ouais. Alors ça c'est moi. L'explication. Soit c'est moi qui supprime les vidéos sans faire exprès. Aïe, je me fais oh putain, je viens. Tiens. Hein. J'ai même pas fait exprès, tu vois, j'ai pris le fusil sans le vouloir et j'ai tiré. Mais tu vois, comme ça au pif, sans le vouloir. Et il y avait une chauve-souris qui est passée à ce moment-là, j'avais paf. Pauvre chauve-souris, que son âme repose en paix. Ouais, fais gaffe, Batman, il va venir, il va être fainéant, il va te foutre une tarte. Batman, je voulais pas tuer ton petit frère, excuse-moi. Batman, si un jour tu regardes cette vidéo. Excuse-moi. What? Brad Pitt. Putain, quelle blague de merde. Oh, un Mother of Lime. Mother Slime, pas Mother of Lime. M'en fous, ça revient pareil. Mais non, merde de slime. Mother Slime. Mère Slime. Mère Slime. What the fuck is that? Ouais, moi j'éclaire l'intérieur de ma grotte avec des bâtons jaunes. Vert, rose, vert, merde, vert. Une chauve-souris vient de se faire tuer par un gros caillou. Respire. Je suis passé dans le mauvais endroit. Ne me quitte pas. Ah mais c'est con parce qu'on avait une source de live. On avait une source de live. Voilà, il be live. On avait une source de d'eau. On avait une source d'eau de lave plutôt. Ouais. J'arriverai pas à parler moi aujourd'hui. Une voilà. Source de l'eau, d'eau, de... Putain, et je recommence. Une source de lave. Lave. Non, là c'est pas bon. Ah mais je t'ai buté. Voilà, moi je creuse en ligne droite et là je crois que je viens de voir du minerai. Oui, c'est du minerai. Aïe aïe aïe. Bon, doucement là, par ma pioche des ténèbres. Ah, c'est de l'iron. J'ai trouvé de l'iron moi. Mais j'ai trouvé un passage où on est déjà passé. Waouh.
c'est énorme ce que tu trouves. Putain, mais il me pose cette torche, crétin. Moi, disons que j'ai plus de torche, tu vois, donc j'y vais à la barbare avec des sticks. Ouais. Tiens, d'ailleurs, en parlant de torche pour illuminer, j'ai mon Orb of the Light. Orb of Light, plutôt. Ouais. Mais là, je vois deux squelettes avec un casque. Je vais essayer de les prendre. Aïe. Ah bah tiens. Prendre le Demonic Orb. Ouais, si j'en trouve. Clairement, on trouve, mais petit. Ouais. Puis ce qui est bien, c'est qu'ils sont éclairés, donc tu les remarques assez facilement. Ouais. Tiens, je viens de trouver des potions sur le vouloir. Je trouve jamais quelque chose sur le vouloir. Non, mais en fait, tu vois, j'étais en train de cliquer en dessous de moi, et apparemment, à un moment, j'ai pété un truc de verre. Putain, un connard. Les gens vont se dire pourquoi je ramasse encore le cuivre, mais... Bah, ça nous sert toujours. Ça nous sert toujours, apparemment. Putain, je suis deg, j'ai perdu ma source de lave. Sérieux? Ah non, c'est bon, elle est là. Oh. Ah. Au moins, on va pouvoir se faire... De l'opsy. Non, j'ai lâché une autre connerie, mais je vais me taire. Parce que, tu sais jamais, il y aurait des viewers jeunes. Fais chier. J'ai oublié de prendre un saut. C'est pas grave, on va farmer comme ça. Je crois qu'il en faut 8. Moi, je vais essayer de récupérer un casque sur les zombies, là, avec leur casque. C'est trop chaud. Ouais, bah, on sait jamais, hein. Non, c'est vraiment... faut vraiment avoir du cul. Bah, on verra. Autant y aller, hein, ils sont juste à côté de moi, donc... Et en plus, il y a de l'or. Alors... Tu cherches pas de la vie, là, tout de suite, d'un coup? Je te dis qu'il y a de l'or. Quoi? Il y a de l'or où ils sont. Bien. Et alors? Ah bah, et alors, j'ai fait une rime. Rime de merde. Cette rime vous avait été offerte par... MR. Ça fait moins quand on dit pas nos prénoms. Ouais, c'est rien, c'est pas grave, il faut le temps, quoi. Ouais, je suis en train de t'épuiser à la source de lave. Respire. Meurs pas. Alors moi je peux remonter, moi je remonte là. Ouais. Parce que je vais faire ce qu'on appelle... Alors je sais plus où est-ce qu'il faut aller pour les faire. Ah ouais. Si. Ouais. Je vais faire... Oh, heureusement j'avais pris plein de... Je vais me faire un Obsidian Skull. Et c'est quoi ça? C'est un objet que tu mets dans tes accessoires qui te permet, enfin qui te donne un de défense et qui te permet de marcher, enfin d'être immunisé contre le feu. Ou les fireballs, enfin plus pour les fireballs. Moi je viens de trouver du saphir. C'est bien. Mais tu peux remonter si tu veux. Ouais, bah, je vais remonter. Je prends l'or qui est là et je remonte. On va pouvoir aller chercher... Gazelle. Non. Oui. Non mais je pensais qu'on allait chasser la gazelle. Y a pas de gazelle dans tes arrières. Je m'en fous, on invente. On est pas en Afrique. Non, bouge pas. Hop, si bien Skull. Oula, tu bugs sur Skype. Je vais couper 2 secondes ça comme tu bugs sur Skype. Ah putain, voilà la météorite. Youpi. Putain, je suis déçu. Je suis déception. MR est déception, il n'est que déception. Bon bah, on va pouvoir, alors si t'enlèves ton... Enlève ton Obsidian Skull. Cours. Enlève-le. Aou. Remets-le. Ça fait mal. Ouais, c'est en fait la météorite. Quand tu marches dessus. Bah t'as mal parce qu'elle est encore chaude. Enfin elle est chaude. Et donc voilà. Et le Psyne Skill, ça te permet en fait d'être immunisé contre tout ce qui est feu. Donc par exemple c'est le monstre qui protège entre guillemets la météorite. Ils font des dégâts de feu. Alors t'as mal certes. Mais tu peux avoir genre une sorte de malus de feu. Sauf que comme t'es immunisé au feu, ça te fait pas de dégâts. Ah tant mieux alors. Bon moi je te défends en attendant, alors toi tu casses et moi je défends. Je suis le défenseur de la justice aux oreilles, aux grandes oreilles. Je suis déception. On va devoir se retaper un Hit of the Worm. Ah parce que en fait pour à chaque fois pour se refaire ça il faut se refaire un Worms.
Non, non, en fait, faut casser les trucs que t'as donné, par exemple ton mousquet. Ouais. Faut casser ça. Et t'as une probabilité que ce soit qu'il y en a un qui fasse atterrir une météorite. Et en plus la nuit tombe. Oh ouais, mais ça. Oh putain. Quelque chose me dit qu'on va en chier. Bon bah faut tout ramasser, non? Regarde, il y a tellement peu de trucs. J'ai envie de te dire, je te laisse ramasser. Oh, une déception. Une Tu vas. déception. Tu crois qu'il va t'en remettre? Ah bah y'a un terrain qui nous donne une météorite qui est début hein. Et pourquoi t'en voulais une grosse en fait? Bah d'habitude elle est big. Là on a eu la plus petite météorite du monde. Comme celle qui est tombée en Russie. Non même pas, les Russes elle est smart. Voilà, moi là je suis le mode en défense. Non, ça c'est depuis. Oh. Je suis déception. Voilà. Bah, je crois qu'on va pouvoir rentrer à la maison en fait. Ouais. On va voir ce qu'on va pouvoir faire là avec ça. Allons voir ça. Oh putain. Allez, c'est parti. Oh putain, en plus on était à 6000 pieds. Putain, tu peux pas t'imaginer à quel point je suis déceptionné. Ouais, Alors, tu on peut se m'étonnes. faire. Youpi, 16 barres de météorite. C'est déjà ça? C'est rien. Yeah! C'est rien d'habitude. Ah, bah tiens, on peut se faire du verre. Ah, oui, j'avais ramené. J'avais chouré du sable. Illégal Gunpart. Putain, t'as par contre des trucs chers, hein? Hein? 35 gold. Ah oui, c'est vrai qu'on a eu le dealer. Ouais, le dealer d'armes. Oh merde. Ah ouais, il dit comme ça qu'il a un rendez-vous avec Lorraine dans une heure. Non, pas ça que je veux. C'est ça. J'ai entendu une étoile. Entendu une étoile. Ça sent la déception dans ta voix. Peut rien se faire. Sérieux? On ne peut rien se faire. Vite. Putain. Bon. Je pense qu'on va arrêter la vidéo là. Voilà, parce que tu es dégoûté. Exactement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à faire ce que vous voulez. N'hésitez pas à aller voir la chaîne d'Oxydor. Parce que je viens de chez moi. Oui. Et bah voilà, donc je vais vous dire, eh ben, à plus. Allez, tchou. Moi, je vous dis d'aller, je vous propose d'aller voir la chaîne DMR si vous voulez voir sa vue à la place de la mienne, de voir ce qu'il fait par rapport à moi. Donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et à plus tard. Allez, à plus.